Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est soit Coolo Mike et dans cette vidéo je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir créer un groupe sur Call of Duty Warzone 2 pour que vous puissiez inviter vos potes et que vous puissiez jouer ensemble en fait tout simplement. Donc je fais une grosse dédicace à Valentin parce que c'est lui qui a trouvé la solution. En fait quand vous êtes en Battle Royale ou que ce soit en DMZ, maintenant quand vous appuyez sur option et que vous allez dans Social, ça bug. Donc là, bien évidemment, à mon avis, ils vont corriger le truc, hein. Je pense que même si je vais, par exemple, dans Modern Warfare, tout simplement, en multijoueur, je pense que là aussi, ça bug. On peut plus se rejoindre comme d'habitude. Donc là, je vais vous expliquer l'astuce que Valentin a trouvée. Et vous allez voir, en fait, c'est super simple. Mais faut connaître l'astuce, hein. Regardez, si je vais en Warzone, en Modern Warfare, et que je fais social, boum, je peux plus aller dans mes joueurs sociabilité, enfin dans mon onglet social. Donc que ce soit en DMZ, en Battle Royale ou en match à mort normal, ce que vous allez devoir faire, c'est appuyer sur option. Ensuite, vous voyez un petit casque comme ça et c'est l'onglet canaux. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est appuyer sur triangle. Bien évidemment, c'est la touche adéquate à votre console ou à votre PC. Vous appuyez sur la touche qui est marquée créer. Et là, vous créez le canal, on va dire, je vais créer canal, tout simplement, parce que j'ai déjà créé une canal, soit cool mec. Là, il vous demande d'inviter des gens dans votre canal. Ce que vous pouvez faire, c'est inviter tous vos potes. Comme ça, ils seront tous dans le canal, parce qu'en fait, le canal ne s'efface pas. Même si vous quittez, le jeu et que vous relancez le jeu, vous aurez toujours votre canal. Et tous les joueurs qui sont dans votre canal, vous pourrez toujours les inviter de cette façon. Donc, c'est plutôt pas mal d'un côté. Donc là, moi, je vais juste inviter Valentin pour vous montrer que ça fonctionne bien. Donc, boum, j'invite Valentin, invité dans le canal. S'il y a un message rouge, c'est normal, c'est parce que moi j'ai désactivé le chat vocal du truc. Donc là, regardez, mon canal il est ouvert en plus, il a accès ouvert. Donc ça veut dire que tout le monde peut rejoindre. Mais là, j'attends que Val il a rejoint. Je pense qu'il a déjà rejoint parce que je le vois, il est ici. Donc ouais, il a déjà rejoint. Ici, j'ai un canal avec 4 potes. Donc j'ai Valentin, Valon Pêche et Viderich. Donc là, j'ai mon canal avec Valentin. Donc maintenant, ce que je fais. Pour qu'il soit dans mon groupe de jeu, parce que là il est juste dans mon canal vocal, et ben vous pouvez le voir en haut à droite, hein, je suis tout seul. Voilà, vous pouvez voir que je suis tout seul. Là je vais tout simplement aller dans mon canal, dans le canal que j'ai invité Val. Et là je clique sur X sur le pseudo Valentin et je fais inviter dans le groupe. Et là je peux même le rejoindre si je veux, voir son profil, etc. Donc là je l'invite dans le groupe. Donc là, lui, il reçoit une invitation. Quand vous invitez une personne, dites à la personne qu'il doit regarder ses notifications. Donc là, regardez, il y a l'onglet notification. Il faut qu'il regarde là pour accepter l'invitation. S'il n'a pas eu le temps d'appuyer sur option pour accepter l'invitation directement. Je ne sais pas si les invitations s'effacent après un certain temps. C'est possible parce que bah, l'empêche, il n'avait pas reçu mon invitation. Je pense qu'elle s'était effacée. Peut-être dans vos paramètres, il faudra vérifier. Mais ça. Ah, si, il est marqué là. Appuyez sur R2 dans les paramètres. Et je pense que si vous mettez les notifications en veille, ben il faudra le désactiver, sinon on ne pourra pas vous inviter. Donc faites attention à ça. Acceptez tout, hein, je ne sais pas, mais moi j'ai tout laissé activer. Et là, regardez, vous pouvez voir qu'en haut à droite, ben, Valentin a su rejoindre mon groupe. Donc maintenant, si je lance un Battle Royale ou n'importe quoi, même si je fais rond et que je vais genre en multijoueur, donc Warzone. Ben là, Valentin, il est toujours dans mon groupe. Donc c'est pareil. En fait, c'est juste un bug pour l'instant dans l'onglet social. On ne peut pas y accéder. Mais voilà, si vous voulez inviter vos amis, vous créez un canal. Vous les invitez comme je viens de vous expliquer. Et vous pouvez lancer des parties à 3, à 4, à 5. Non, je crois que c'est 4 maximum. Mais voilà. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, bah moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soit Cool Mec et ciao. Peace!